Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Comme on a pris l'habitude dans la nuit du samedi au dimanche, Alexandre Texier, il nous marque toujours son petit but. Et oui, ça va être son sixième but de la saison. Autant les deux derniers, c'était un peu des buts de raccro, on peut le dire. Un but en cage vide, un but où il est en train de tomber sur le gardien et le palais lui rebondit dessus. Mais là, ce but-là, c'est peut-être un des plus beaux buts d'Alexandre Texier. Ça s'est passé en désavantage numérique en plus. Donc vraiment, il n'était pas dans les meilleures conditions pour marquer. Et il va faire un geste technique magnifique. Alexandre Texier dans toute sa classe. Alexandre Texier qui pourtant n'a pas joué beaucoup lors de ce match. Seulement 10 minutes et 45 secondes, moins que d'habitude. Il a quand même fait 3 tirs. Il a marqué donc ce but et son expected goal, c'est 0,3, ce qui n'est pas vraiment mauvais pour le peu de temps qu'il a passé sur la glace. Donc Alexandre Texier est peut-être un de ses plus beaux buts dans la NHL et on va tout de suite le voir en VO. Puck thrown around by Petrangelo, who's in off the point. Petrangelo reaching for it. Jackets come up with it, short-handed. Petrangelo draped all over the Blue Jackets. In front, Texier scores! The Jackets have their first short-handed goal of the season. What a move and what a goal! It's going to be the Nissan move of the game. That's a fake to the middle, backhand toe drag. And you can see the captain, Mark Stone, was like, wow, I can't believe I did not take the body there. Texier. Whoa, how about that? And then he finds a lane to the net, stuffs it home. The Blue Jackets up 2-0 here in the first part of this first period.